8 cubes. Ok, donc salut, salut, donc on se retrouve pour l'interview de Mr. Interacraft alias Crawling Flesh. Je sais pas si je le prononce bien, j'ai un peu de mal à tout chaque à fait fois. Tout à fait. Je suis en compagnie de Axel RT pour la présentation et l'interview. Salut. Salut. Bon bah on va commencer l'interview. Qu'est-ce qui t'a donné envie de venir ici, participer à cette épreuve? Eh bien, ce soir, normalement, je fais la lessive. Et, ouais. Je me suis dit, bon, est-ce que je fais la lessive ou est-ce que je vais jouer à Minecraft? Et là, j'avoue que ça a été un choix un peu cornélien. Et il s'est avéré qu'en fait, faire la lessive, c'est chiant. Donc, je suis venu ici. Tu m'en diras tant. Je pense que tous les hommes... ont à peu près le même avis. Enfin, j'espère. En tout cas, bonne... Sois pas misogyne, hein, peut-être les femmes aussi. Ok, bah bonne réponse. Alors pour la deuxième question, j'aimerais que tu te décrives en trois mots. Juste trois mots. Dans la vie de tous les jours ou sur Minecraft, comme tu le désires. Je dirais... Ça fait déjà deux. Oh non, ça compte pas. Hein. Non, okay. Alors, vieux donc. Vieux, humour et je dirais fou. Fou, il y a toujours fou, ouais. C'est presque obligatoire. Bon, en même temps, faut être un peu taré pour jouer à Minecraft, je pense. Et pour accepter de venir ici aussi. Effectivement. Et donc, dernière question, bon, bah, enfin, tu connais pas trop les autres, mais qu'est-ce que tu penses des autres concurrents, de ce que tu as vu jusqu'à maintenant? Eh ben, je les aime pas du tout. Ils m'ont tué dans la salle d'attente, ils m'ont rushé comme des gros mérovingiens, et j'aime pas ça du tout, alors je leur dis, ramenez vos fraises, et je vais vous manger tout cru avec de la salade. Très bien. Et ma voix n'était pas du tout cassée ni mal assurée. J'étais tout à fait sûr de ce que je disais. Mais s'ils sont plus grands et plus forts que moi, je m'excuse. On l'a senti. Tue un cochon. J'arrête avec ça. Tue un cochon. Oh, oui, voilà, oh, vous, le vrai. Vous pouvez aussi aller voir la chaîne d'Interacraft. Très bonne chaîne. Aussi. Ouais, qui est vraiment excellente. C'est rare qu'on fasse de la pub, mais vraiment, cette chaîne est... Enfin, bon courage à toi et pour la suite, parce que tu nous fais rire. Merci beaucoup. C'est vrai que le trailer m'a beaucoup fait rire, je pense pas être le seul, quoi. Mais cela, donc voilà. Nous, regarde pas. Bon bah allez, je coupe la caméra. Ouais. C'est parti. Donc on se retrouve pour la deuxième interview en compagnie de Matt PQ. Salut. Qui est un fidèle youtubeur qui suit mes chaînes et les chaînes de pas mal de personnes, qui est un fidèle de Minecraft. Alors, première question, Matt PQ, qu'est-ce qui t'a poussé à venir participer au jeu? Voilà. Ben d'abord déjà l'invitation de Vibe, et puis étant donné que je suis toutes ces vidéos et que j'apprécie énormément ce qu'il fait, j'aurais pas pu refuser une telle offre. Ça va, il t'endort pas trop avec sa voix? C'est gentil. Ah peut-être, ouais. Non, ça va, j'aime bien, c'est agréable. C'est reposant. On se ressemble quand on a à peu près la même voix, donc c'est... Il insulte pas comme ça le pauvre. Allez, je blague. Allez, deuxième question, Vibe. Ok. Donc, Matt PQ, présente-toi en trois mots qui te correspondent. Oula. Elle n'est pas facile. Ça. En trois mots? En trois mots. Uniquement trois mots. T'as le droit de dire des... Enfin, t'as le droit de...
de faire de discuter avant, enfin de... Ah ouais, tu m'as compris. Voilà, Ouais, je vois. trois adjectifs qui te décrivent IRL ou dans Minecraft ou ce que tu veux, enfin. Bon, je peux tenter en deux mots. Ouais, écoute. Divinement divin. Ok. Point d'exclamation pour le troisième. Pour faire le troisième mot, voilà. Bon bah dernière question du coup. Oui. Enfin tu les connais pas trop, mais qu'est-ce que tu penses des autres concurrents d'aujourd'hui? Bah ouais, comme t'as dit, je connais pas trop, mais on a discuté un peu là pendant qu'on était dans la salle ensemble et ça a l'air sympa, je pense qu'on va bien s'amuser. Bon bah c'est tout ce qu'on vous souhaite, hein. Ouais, c'est exactement ce qu'on souhaite, ouais. C'est le principal, c'est que tout le monde s'amuse et qu'il y ait une bonne ambiance. Pour moi aussi. Donc salut, on se retrouve pour la troisième interview en compagnie de Skillnaze. Donc salut à toi. Bonjour. Salut, salut. Alors, première question, qu'est-ce qui t'a poussé à venir participer à l'émission Total Recube avec nous? J'en ai entendu parler par quelqu'un qui joue sur mon serveur, que c'était une compétition qui ralliait plusieurs joueurs pour comment dire des combats de folie. Donc ça m'a beaucoup intéressé, donc c'est pour ça que j'ai demandé à Vibe tout à l'heure si c'était possible que je vienne. Ok. Donc pour la deuxième question, j'aimerais que tu te décrives en trois mots, ou trois mots qui te Trois correspondent. adjectifs, Voilà, voilà trois quoi. adjectifs que tu penses. Alors, trois adjectifs. Je dirais tyrannique. Alors, ceux qui sont sur mon serveur pourront comprendre. Parce que c'est vrai que, vu que je suis maire de la ville, etc. Et c'est vrai que j'ai tendance à être un peu trop. Mais qu'est-ce que tu fais là, machin? Enfin, voilà. Donc, après, en deuxième mot. Alors là, par contre. Gamer, hein, avant tout. Ok. Je joue beaucoup aux jeux vidéo. Hein. Et après, en troisième mot. J'ai envie de dire moi-même. D'accord. Ça marche aussi. Ça marche, ça marche. Et dernière question, bon bref, tu les connais pas vraiment à mon avis, mais qu'est-ce que tu penses des autres candidats, de ce que tu en as vu jusqu'à maintenant? Alors donc Matt PQ, je ne connais pas du tout. Après Stranglos, je le connais depuis ça fait 4 mois je pense maintenant. Et Interacraft, je l'ai découvert grâce à Fantasio et je l'ai trouvé excellent. Ouais, c'est vrai que son trailer a fait pas mal d'effets. Tout à fait. Il est sympa dans le genre. Bah merci. Merci à toi. Bon C'est un plaisir. je coupe. Donc salut, on se retrouve pour la quatrième interview en compagnie de Tristan. Salut à toi. Salut. Salut, salut. Et donc, la série des trois questions que les gens commencent à connaître maintenant. Première question, qu'est-ce qui t'a donné envie de venir participer à l'émission Total Recube? Déjà j'ai vu la vidéo d'Elarcis, donc ça m'a bien plu, je trouve ça marrant, l'idée de compétition entre joueurs. Puisqu'il naise, il m'a dit qu'il avait posté un message à Vaminico et puis qu'il avait répondu rapidement, donc on est venu, voilà. Ouais, tu t'es dit pourquoi pas. Voilà, pourquoi pas, un peu de fun. Papa attendait l'aventure de Total Wipe. Ouais. Ok. Bon bah. Donc pour la deuxième question, je suis sûr qu'il y a des gens derrière leur écran qui doivent hurler. Mais on la connaît, qui doivent la connaître par cœur. Mais présente-toi en trois mots. Uniquement. Trois mots. Voilà. Alors, je sais pas quoi dire. Je vais présenter les autres, mais moi, bon, attends. Timide. Ouais, je dirais timide. Ok. J'aime bien faire les gamineries. D'art, alors on a tué Crawling. Hein. C'était mon idée aussi. Ouais, et le troisième, je sais pas. Fourbe. Ouais, voilà, fourbe. Fourbe. Ok. Oh, Fourbe. moi tu Là. l'avoues, hein, c'est. Ah, tu l'assumes, il Ouais, tu assume totalement, l'assumes. donc c'est bien. Dans tous les jeux. Non, mais Et là par donc. contre, ça va être plus Ouais. surveillé. Ouais, on t'a à l'œil, ça. De toute Ouais, façon, et donc. Vexios, pour information, il a reconnu de lui-même ses torts à la fin de l'émission parce qu'il y en a pas mal de gens qui me posent la question à chaque fois et il a reconnu lui-même ses torts et s'est disqualifié tout seul.
Et là, donc voilà. Ah non, mais je respecte les règles, hein, mais en fait, je suis fourbe avec les joueurs. Si je peux leur tendre des pièges, je leur tends des pièges. Ah, ok. Non, non, mais je voulais juste aussi les remettre parce que j'ai reçu pas mal de messages sur ça. Et Axel l'a aussi dit dans un des messages, Lexios est en dernière position. Mais il reviendra. Et donc, dernière question, bon, tu, à part un pèlerin qui est là-haut, tu connais pas les autres, mais qu'est-ce que tu penses des autres candidats, tes concurrents? Bon, ça va, ils sont sympas. Moi, ça se passe bien. Quand on fait des complots pour tuer Crawling, ça se passe bien aussi. Ouais, voilà, tout. Ouais, ils sont sympas. Bon, moi, je suis plus jeune, hein, comme d'hab. Mais voilà. Ah, il en faut un. Hein. Ouais. Bon, la pauvreté, il vient d'avoir 11 ans. Mais bon, faut pas le dire. Je rigole. Qui vient d'avoir 11 ans? Je rigole. C'était drôle. Bref, bon, bah, je coupe. Ok. Moi je dis que je suis fourbe, mais bon, votre truc là avec la flotte, nous on est tombé dedans. Ah bah faut pas y aller en même temps, ouais. Ouais. Non mais, faut pas y aller. Je voulais aller à la fenêtre regarder le paysage et tout, mais j'avance, mais à cause des panneaux, j'ai pas vu le trou, donc je suis tombé. Bah maintenant tu peux y aller. Moi j'arrive au-dessus pour le regarder là, puis... Hop, voilà, c'est parti. Hop. Allez c'est enfants. Parti. Par où commence-t-on? Bah épreuve 1, non. Allez, non, épreuve 2. C'est la 2, hein, ça. C'est un piège, on commence par la 2. Suivez le guide. Après, on dit qu'il faisait moi le fourbe, hein, c'est ça. Faut pas surtout pas oublier le guide. Je suppose qu'il faut dormir. Non. Bah là, de toute façon, on peut pas, il fait jour. Donc là, vous avez des pommes d'or qui se trouvent dans chaque coffre. On en prend combien en prendre, Si j'en ai déjà 3. Ouais, prenez 2-3, ça sert à en prendre plus, on est en peace food. Oui, non, de toute façon, il y a peu de chances que vous mouriez, mais bon, on sait jamais, quoi. Skinace, il en a 6. Non, j'en ai 3. Enfin, ça peut arriver, c'est dans le truc du sable, quoi. Vu que vous avez tapé le sable, vous pouvez taper on suffoque. Les autres personnages. Comment ça, du sable? Ça, par contre, j'ai pas vu ça. Dans LR6, quand il creuse sous le sable avec les barrières et tout. J'espère. Ah, j'ai pas vu ça. Ouais, donc voilà, là, il y a facilement moyen de donner des coups aux autres et tout, donc vaut mieux... Comme ça, démonstration. Vaut mieux, voilà quoi. Mais arrêtez de frapper, merde. Ouais, c'est interdit, c'est prohibé. Donc vous allez tout choisir une couleur déjà, premièrement. Rouge. Bah, le vert. Rouge. Bon, bah, bleu. Faut que tout le monde se mette d'accord. Oh, bah, de toute façon, après. Matt, il campe sur le rouge, parce que je prends le jaune alors. Hein. La couleur, c'est juste pour le début, quoi. On va dire. Voilà. Donc, on va se diriger dehors. Et on va venir. Je monte. On va vous expliquer comment ça va. On se met contre les murs. Donc là, vous allez avoir une petite épreuve de saut. Donc, vous continuez sur votre couleur. Après, vous allez avoir. C'est toujours tout droit. À l'épreuve du sable, il y a un coffre. Pour que vous preniez une pelle. Vous avez le droit de détruire que du sable, rien d'autre. Il y a une petite lampiote et un son qui permet de savoir la première personne qui a passé cette épreuve-là. Donc après, vous aurez quelques épreuves par la suite dont ça sert à rien que j'en parle parce qu'il n'y a pas de difficulté. Par contre, à l'épreuve des arbres, il faut absolument que vous passiez sur les arbres, pas en dessous des arbres. Enfin, maintenant, on a mis quelques panneaux en plus. Et en plein milieu, il y a un rassemblement où il y a un petit labyrinthe. Donc c'est là-dedans qu'il faut aller et pas autre part. Voilà. Et pas sur les murs. Okay. Et pas comme LR6 sur les murs. Voilà. Et le panneau d'arrivée, ceux qui ont le mode en phare peuvent apercevoir le panneau d'arrivée qui est juste au fond, c'est logique. Bah attendez, je me mets en phare. Enfin, je vois pas. Vaut mieux le voir quand même de loin parce qu'il y en a qui partent à droite et à gauche pour rien. Donc, ah oui, je le vois là. Donc c'est à peu près tout, si Axel, on va juste vous montrer. Par contre aussi, si par exemple on essaye de me parler pendant que je bouge, ça peut être possible parce que j'ai un peu de mal à parler et bouger en même temps. Ouais, mais ça c'est bien, ne vous inquiétez pas, vous faites comme vous le sentez. Hein. Je vais juste vous montrer comment la sonnette va fonctionner. Il va y avoir un petit retentissement. Ah par contre Axel, faut que tu viennes parce que moi ça marche plus les boutons avec mon mode. C'est-à-dire? J'ai un stage. Ah sinon on peut appuyer nous. Vous pouvez appuyer ouais sinon. Vas-y skin. Voilà. Je sais pas, j'ai installé X-Ray en fait et ça marche pas le bouton. Ouh, très fou. Ouh le vidéo cheat. Ouh le cheater. Ouais, cheater. C'était pour construire des épreuves encore plus folles.
Ouais, mon cul, ouais. Ah, c'était vrai. pour cheater. Trouver des diamants surtout, ouais, voilà. T'as pas vu Axel, mais j'ai fait un petit aqualand qui se trouve sur le verre avec une épreuve du Grand Bleu, une épreuve de boxley. Ah, j'ai pas vu, tiens. Une petite épreuve de boxe où tu dois lancer le kart le plus rapidement possible pour arriver en bas avec un meilleur temps. Il y a l'épreuve du Grand Bleu où tu dois retenir ta respiration et pas mal de choses en plus. Avec un petit train. L'épreuve du Grand Bleu. J'ai fait un petit... Ça fait peur, ça. Non, j'ai fait aussi un petit train avec des expositions. Total Recube. Et voilà, c'est le départ. Le grand départ. Ça commence. Tu viens de se planter. Ouf, plouf. Nous avons Chroning Flèche qui est parti en flèche. C'était nul. Ah, Damien. C'était la grosse blague. Les trois autres concurrents qui sont derrière, c'est au coup des coups de fil. Ah, mais il y a des cactus là. La Chroning Flèche recommence. Ah, oh, il est horrible le saut. Est-ce qu'il est des. Ah, plouf. Les Chroning sont partis. Devant Matt PQ, non. Trébuche, Tristan aussi. Ah. Ah, Tristan est passé, Matt PQ est passé. On en prend qu'une seule. Ah, ouais. Une seule, ça devrait se faire. Derrière, je ne suis pas passé. Le caméraman ne passe pas. Bah non, mais il y a le lac de frappe. C'est... Il est invisible, le caméraman. Je joue avec F1. Ah. Comme quoi, l'épreuve des créateurs, ça va être... En fait, je vais me TP, je pense. Je lag. Ah non, ah merde, le lag de la laine noire, ça. Alors, nous avons les concurrents qui sont là sous le sol et qui sont là pour une lutte acharnée. Alors... Qui est qui est prévu? Ah oui, là. Oh, bon, c'est tout souvent. Bah, comment on passe là? Il y en a beaucoup qu'on peut avoir, regardez avoir vu les vidéos. Regardez comme il galère. C'est horrible ça, c'est vachement On a peut-être changé de chemin. Faites gaffe, mais vous tuez pas les gars. Dites ça à Crawling. Oh merde, excuse-moi Matt. Ah, c'est pour ça que je vous dis de prendre des pommes d'or. Pour les coins du sable, ce serait parfait. Pourquoi tout le monde se suit? Tout le monde... C'est le donjon de la jeu, quoi. Tout le monde m'a suivi. Nous avons le nain, l'aide. Tu sais qui fait l'ogre. Au pire, on en laisse faire un, puis après on passe. L'ogre. Au sein, on tue tout le monde. Tu sais qui fait. Là, je viens de me la retaper. Aïe, aïe, aïe. Je vois plus rien. Dans le noir complet. Ouais. Ils veulent rester à droite, on sait pas pourquoi. Tout le monde à droite. Bah écoute, j'espère que c'est pas leur parti politique en tout cas. C'est pas vraiment le meilleur en ce moment. C'est parce qu'ils ont la bonne arme. On peut pas passer par là. Oui. Oh, c'est horrible. En temps, il y a l'affaire DSK et tout, enfin bref. On n'est pas là pour ça. Non, voilà. Laissons ça aux autres. Ouais, ouais. Faut éviter de me frapper parce que je suis en train de filmer. Aïe, 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 aïe. Aïe aïe aïe. Est-ce que... Les plus vieux contre moi, merde. Bah non. Est-ce que vous avez... Merde, j'ai plus de pelle. Ouais, moi ça fait un bout de temps que j'en ai plus de pelle à force de vous cogner avec. Moi j'en ai presque plus. Ah, vous allez y aller la main, hein. Ah. Oh, mais... Comme des hommes, des vrais. Oui, ça s'approche. Pousse pas. Oh oui. Ah, ça a trouvé la sortie. Crawling suivi de Matt PQ, suivi de Skinhead, suivi de Tristan. Eh, pourquoi je vais lentement? Ah, d'accord, je vais... Et moi, je suis bloqué à l'intérieur, donc je vais encore me téléporter une fois. Oh non, les échelles. Oh non, ça me rappelle la map Crazy Adventure. Oh, horrible. Ah, l'épreuve des échelles, elle est fatale pour certains. Ahmed. Attention. Ah, il y en a un qui est passé. Skinhead est passé. Ça va recommencer depuis le cheater. Il est passé. Oh non. Oh non. Crawling, il y a un peu de mal aussi avec Matt PQ. Tristan aussi. Il y a un qui est passé là déjà. Sur les boules de glace. Ah, il aime, ah, les... j'arrive pas à grimper. Il aime les boules. Ouais, il adore. Non. Ah, Marco, Matt PQ, c'est dommage. Sur les nous avons aussi Crawling qui est passé.
s'attaque aux boules de blanc. Faut faire quoi là sur les... Faut trouver un chemin dans les arbres là. Ah dans les arbres, ouais, c'est au feeling, c'est sur les arbres. Non. Ah, il y a des pancartes. Pas de PQ, le stress. Pas de PQ. Le drapeau, tu verras, la fin approchera. Ah, le stress. Oh non, labyrinthe, non. Allez, Matt. Allez, Matt. Oh non. Allez, Matt, t'as encore moyen de remonter. Alors, Tristan est tombé. Ah non. Ce qui n'est des parties loin. Oh non. Très loin. Je vais essayer l'autre côté pour voir. On peut remonter par ici, là. Je ne m'inquiète pas, crawling s'approche de la sortie. Ah, je suis de très près de Tristan. Ah, crawling est passé. Il s'attaque aux arbres. Enfin. Tristan est passé, presque. Ah, il neige en plus. Et j'ai Minecraft qui a planté, donc... Lol. Au moment où est-ce qu'il neige ? Ça. C'est bizarre. Pas par là ? Oh, moi, oh je non, je suis rendu à la... Oh non. Allez-vous-en, c'était moi devant, là. Là, je suis... Où est-ce que parce tu que trouves Skinhead ? Dans les arbres, ah, je okay. galère. Donc, je le suis. Non, j'aime pas cet endroit-là. Je suis déjà allé. Mais par ici aussi, oh, merde, je crois. Tomber des arbres. Désolé, je repasse en F1, mais c'est pas... Ah non, c'est là où je suis arrivé. Pour surveiller un peu ce qui se passe. Ah, donc là... Oula, il y a du rassemblement. Où Matt PQ est arrivé ? Ah bah tout le monde est au même endroit. Comme quoi certaines épreuves peuvent aider certaines personnes et d'autres en handicapées. Désolé de ce petit. C'est une petite interruption. Minecraft a planté. Hein. Enfin, c'est Minecraft quoi. Regardez le Axel, il est venu en string. Oh on sait pas pourquoi. Ouais, ouais il est trop bien le truc dans les arbres. C'est un damier là l'espèce de. Ouais, c'est un damier. Ouais c'est ça, ouais. Faut que t'arrives sur un damier. Eh ben j'y suis. Ah, tu y es ? Moi je vais reprendre la caméra d'en haut pour rejoindre le reste des gens. Bah si tu y es, ne bouge pas. Et j'espère que tu y as été vraiment légalement parce que... Comment ça ? Je me suis paumé ? J'y suis aussi, c'est bon. Ah, je viens de voir Matt y arriver. Donc nous avons les deux gagnants. Attendez, je suis perdu moi-même dans les arbres. Oh, bravo le créateur. Ouais, ça c'est... Oh tu vomis du sable. Eh, j'ai du sable moi. Ah oui c'est le sable du... Tu paumé, il y a quelqu'un qui m'est tombé dessus. Je vomis de joie. Enfin je suis sorti. Donc, je suis bloqué alors. Qui c'est qui est arrivé? Moi je suis toujours bloqué. Nous avons Crawling Flash qui est... Ah. Vieux rollback. Alors, Skinhead et Matt PQ sont les deux gagnants. Ah ouais, j'ai eu un vieux rollback. Suivi de Crawling Flash et dernier. Dernier, c'est Tristan. Bon, bah, je crois Calme que c'est moi. La dernière scène que j'ai filmée, elle va sauter vu que j'ai rien filmé. Donc, j'espère que vous avez vraiment pas triché. Hein. J'espère sur votre bonne foi. Ah non. Non, c'est bon. Attends, en si tout cas, j'ai triché, je sais pas tricher. Non, mais t'as trouvé la cas, sortie. J'ai l'impression que. Okay. Que ce sont c'est le groupe qui sait le mieux débrouiller jusque là. Moi je me suis paumé 4 fois dans l'arbre. Ouais, plus, ça dépend au sable, ils ont possible. Été un peu longs au sable. Ouais, mais... c'est parce... Ah ouais. Parce que par là, contre, les échelles c'est vicieux. Mais c'est marrant, c'est que voilà le dernier Matt PQ il arrive en deuxième position. De toute façon, on va se. Moi j'ai coupé la caméra. Ouais, donc on va se retrouver pour une épreuve détente, vous pourrez tous vous marrer. Et bah donc on va retrouver bah, pour la suite Skinhead et Matt PQ qui sont sélectionnés et Crawling et Tristan sont sélectionnés pour la finale des perdants. Dit comme ça c'est... ça c'est très joyeux, j'aime beaucoup. Non mais, franchement tu verras, il y a pas mal de gens qui sont sympas. T'as fait là, tu vas retrouver Felagen, tu vas retrouver d'autres gens. Tu vas retrouver Vexios. Il y a quoi, il y a Felagun, Vexios, Natu. Vexios n'était pas qualifié. Non, les... Bon, il y a des tricheurs aussi. Les qualifiés, ça a été Arnaud et Larsus. Deux, un, c'est parti. Allez, tous les concurrents. Ah, Tristan a 3 secondes de retard. Tant que ça... Comme moi. Allez, les gars. Heureusement que les courants étaient baissés. Oui. Ouais.
J'y pensais là en 1.4, ça serait pas la même. Moi je filme de l'intérieur. Oh c'est quoi ça? Aïe aïe, ah, j'aime pas les cactus. Aïe aïe. J'ai fait un piège à main avec ça moi. Oh, du coup. C'est quoi ça? Oh, le labyrinthe de glace. Donc les concurrents se dirigent au labyrinthe de glace. Je fais toujours ma technique, toujours le mur de droite. Ah bah ça marche. PQ s'en sort bien. Ah ouais, ma PQ est déjà arrivé au... Oubliez pas de respirer, hein, de temps en temps. Non, je suis en courbe. Si en fait. Nous avons Tristan qui est derrière moi. Donc, c'est très rare. Haha, il est pas. Il est en train de mourir, le goujat. Non, je suis retombé. C'est pour ça que je vous dis, oubliez pas de respirer de temps en temps. Ah, ça donne envie de souffler. Ah, qui c'est qui m'a poussé? Il y en a un qui a osé pousser le caméraman. C'est moi, je crois. Allez, les gars, c'est pas. C'est quoi ça? Oula, putain, il y a un truc de glace. Finalement, c'est bien des deuxièmes, ça permet de voir. Tombez droit, les gars, ici, tombez droit. C'est pour pas crever. Ça serait ballot. Il y a un qui me bloque la vue. Hop. Caméraman. C'est quoi ce truc là? Hop là. Moi je passe par ici, tiens. Ah, il reste devant lui, hein. Ah, il veut pas partir. Oh. On peut se taper là? Ah, je suis enfin ressorti. Ouf. Alors, c'est pas là. Ouh là là là. Ah ah. Ma foi, c'est une technique comme une autre, hein, de passer par les... On peut passer par au-dessus? Par les blocs de glace, quoi. Bah, je sais pas, j'ai mis un bloc de glace, c'était pas fait pour ça? Non, c'était pas fait pour ça, mais c'est pas grave. Bon, tu pouvais pas le savoir, hein, de toute façon, c'est... Ouais. Alors, c'est ici que je disais que vous êtes en apnée, et faites gaffe à votre vie. Ouais, d'accord. Encore dernier, bah voilà, vous l'avez dit. Hein. Tristan, toujours dernier. J'ai pas dû prendre la bonne route, si. Ah, je suis en train de crever déjà. Ah, ah c'est bon. C'est pour ça qu'il y a les pommes. Voilà, c'est ici, notre PQ. Ok. Donc là, tout le monde se trouve dans la grotte, j'ai l'impression. Non, mais bah, on est quoi là? Ouais, ouais, la grotte. Elle est où la sortie de la grotte, Vibe? Elle est pour ramasser juste, elle était, je pense, quand tu regardes le jeu, elle est en face du jeu. Enfin, elle est à droite du jeu. Faut sortir de la grotte vers le haut. Ouais. D'accord. Et on n'a pas le droit de prendre des blocs. Non. Eh, je suis bloqué. Ah, c'est le but, hein. Ah, j'ai rejoint tout le monde, donc là je vois Tristan Skillez, Matt PQ. Crawling, il a disparu. Bah, je suis bloqué dans la grotte. Ah, t'es bloqué. Skillez me tape. Mais je te vois même pas. J'ai coupé Vibe. J'ai coupé la cam. Okay. Et tu vois... il est où, Scro? Ah. Je suis derrière un mur de briques. Un mur de briques? Ah, tu dois être en haut. Fini, Ah, il y en a un qui a fini, j'ai entendu la sonnette. C'est moi. J'ai trouvé moi aussi là. Ouais, je suis arrivé au bout. Je suis avec Matt. Je suis deuxième, ouais. Je suis pas mort. Et on a les deux gagnants. Ah non, je suis retombé. Je ne vois pas... Viens, on leur jette des cailloux. Je ne vois pas Crow. On n'a pas de cas. Mais je pas que... Ah oui, effectivement. Je sais pas comment j'ai fait pour louper une crevasse pareille. Et tu vois, toi, Axel? Ah, Skinness. Ouais, ouais, je suis là, à côté. Et tu vois Crow ou pas? Il est en bas, il est paumé, je crois. Ah oui. Je suis pas paumé, je suis bloqué, je peux pas remonter. Mais oui, il est derrière les briques, je l'ai vu tomber. C'est nul. J'étais deuxième, tranquille et tout, et puis voilà. Oh là là. Et je vais le voir aussi. Mais qu'est-ce que tu fais là? Mais je sais pas, je suis tombé. Il est où? Oh putain, j'ai failli mourir. Ah ouais. Je l'ai vu, il est tombé là-dedans, là. Il est tombé comme ça, là, et puis voilà, il est mort. Oh, le manque de chance. Ouf. Ah mais tu pouvais sortir par là, non? Ah non, il pouvait pas. Oh, il était piégé. Ah oui, il était piégé, donc voilà une erreur du parcours qu'on aurait dû... Ah bah voilà, au moins on la connaît grâce à...
Faut les laisser bloquer. Donc on va tout bloquer. Ah ! Ah ! Méchant. Ce bon, qui bon. Reste, il reste bloqué. À vie. Bah, je peux casser tout dire. Attends, attends, vas-y, je vais le TP. Ça, ouais, désolé, hein, donc on va dire que t'es... Troisième. Troisième. Deuxième. Voilà, c'est comme ça, c'est qu'il est dernier. Ouais, c'est... j'étais premier à la base. Je suis deuxième, je suis content. On fait quoi, je on t'en prie, gros, vas-y. On filme ou quoi, Vibe? Alors, ouais, c'est après entre nous, ce qui est bête. Vas-y, filme, ouais. Oh non, reviens, me fait peur. Donc là, nous avons Crawling et Skinless, on va dire, c'est parti. Allez, les gars, allez. Oh, Crawling est le grand vainqueur. C'est bien joué. Mais je pense que l'arène comme ça, ça va faire plus mal. À moi maintenant. Au suivant, on peut le faire. Au suivant. Allez, suivant. Tristan contre Crawling. Je vois rien du tout. Ouais. Ah, ah, c'est parti. Oh, Crawling, il a fait un joli saut. Ouais. Après, donc, et il en reste un. Il en reste un. Mat PQ qui refait de prendre la relève de l'équipe bleue. Allez, viens au centre. Attention. Allez, les gars, comme les autres. Je sais pas si t'as son tour. Oh là. Oh là là, oh là là, oh, j'étais serré. Mat PQ a sauvé son équipe. A sauvé l'honneur des bleus. Ouais. N'empêche, Crawling comme le vainqueur, Crawling il met la gueule. Ah oui, Crawling il a fait un joli saut. L'équipe bleue a gagné l'épreuve des cotons-piges. C'est vrai que la reine elle est toute petite, hein, c'est pas pratique. Salut, salut, donc on se retrouve pour les impressions des participants qui ont vraiment, qui ont tout donné sur Total War Cube, c'était la lutte acharnée, on a vu ça. Donc, qu'est-ce que vous avez pensé de ce parcours? Est-ce que vous avez aimé? Quelles sont vos impressions? Je vous laisse la parole. On recommence! C'était superbe! C'est génial et vachement sympa. Ouais, plus un, ouais. Beaucoup de douleurs, beaucoup de blessures, rupture de l'abdominal, mais bon, c'est tout bonheur. Moi je dis on recommence. Skillness est nul. Ok. Sinon, bon, vous trouvez ça dur, simpliste? Non, c'est fun. Sauf quand on lag, c'est plus dur quand on lag. La concurrence était-elle rude ou pas? Sur je certains jeux, les échelles. Ouais, les échelles, c'est chaud en fait. Je bon, déteste en fait, moi, les échelles. Du premier coup, je m'attendais pas à réussir comme ça, mais j'ai réussi direct. Oui, t'es nul d'habitude. Ça m'a étonné d'ailleurs. Je croyais que t'avais triché. Pardon. Oh, okay. Je triche pas, mais... Et qu'avez-vous pensé de du bonus avec le petit train-train avec les expositions et ah, c'était... ah, c'était... ah, c'était bien fait, c'était bien pensé. Cool. Très bon et moment. Skinez est nul aussi. je tiens à dire Skinez est nul. Je viens du Canada. Skinez a fait un record bobsleigh assez. Du bobsleigh Minecart, j'ai jamais fait ça par contre. Et c'est vrai que je suis pas très bon. Ah, ça, on a bien vu. Arrêtez de, arrêtez de vous friter, ce n'est pas... On est là entre gentlemen. un truc qu'on sait pas ce que c'est, regarde, c'est que... Crawling, c'est quoi ton skin? Ouais. C'est un spartiate. Un spartiate. Ah, un spartiate. On dirait un singe. Ouais, c'est vrai. Et bon, les enfants. En tout cas, dans sa tête, y a rien. Merci à vous. Et merci d'avoir participé. Merci à vous, plutôt. Hein. Ouais, merci à vous, surtout. Merci à vous. Ouais, merci à vous. C'est vous les concepteurs. Hein. Vous avez fait de superbes choses. Eh bah, ben, de rien, de rien. De toute façon, on s'en retrouvera pour la suite, hein, que ce soit dans la finale des gagnants ou des perdants. Il n'y a que top du bonheur. Top là, le perdant, vas-y, top là avec moi. Ah, voilà. Non, pas les gagnants. Salut, pas les salut gagnants. À tout le monde. Salut. 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 C'est vraiment on cool. Il y a même un peu de musique, c'est cool sur le chemin. Vous allez voir, faut regarder un peu partout. Normalement, c'était, je voulais, c'est, ça a oui, été a fait pour être fait la nuit, et on voit tout le complexe. Bah pourquoi, on est, pourquoi vous avez pas mis la nuit avant? Oh la chute. J'ai choqué par de la laine violette. Ah ouais, nuit, moi aussi. Il faut mettre timeset 38 000 et je suis en carte.
Ah oui, on s'arrête au bout d'un moment, c'est normal. Attends, attends, je regarde un peu, moi. Ouais, quand vous arrêtez, en fait, vous arrêtez à la première exposition, qui est une chambre de prostituée qui se trouve à l'infernal. Ah, je veux voir ça, moi. T'as eu quelques modèles? N'importe quoi. Ouais, j'ai du vécu, hein, c'est un souvenir. Maison close. C'est parfait. Ah, c'est bien. C'est quoi cette chute et tout dans la lave? Ah, tu t'es gavé, Vibe. La grâce à X-Ray, tu vois, c'est pas mal. Hein. Ah, je suis désolé, tu me ranges pas dedans, tu m'as cassé les deux genoux. Allez, skinnaisance, bouge-toi. Donc voilà, la chambre avec le petit poteau pour faire le striptease. Chose. Ah, c'est l'album photo de Vibe, en fait, on revient. Bon, my car. Ses souvenirs, on est... C'est les souvenirs de la vie intérieure de Vibe. Non, c'est les souvenirs de vacances. Vas-y, ouais, c'est vrai. Il est où le bouton aussi? Il est, ah, il est juste à la gauche. Ah, ok. C'est parti. Ça continue. J'ai mis la nuit, ouais, j'ai mis la nuit histoire de... Oh, ça c'est un truc japonais. Ouais. Vas-y. Il y a pas de sable. Vas-y, Crawling. Il y a pas le sable et le petit râteau. Ouais, vous avez oublié le sable et le râteau. Ah oui, c'est vrai. J'ai fait ça, hein. Je pensais que... Crawling. C'est vachement sympa. Ah, c'est vrai que c'est bien. Ça donne des idées du coup. T'as pas de minecart ou quoi? Donc là voilà, c'est le temps de zen quoi, la décoration de... Attends, c'est très bien. On regarde pas. Non. Tu peux pas parler ou quoi? En fait non. Ah, nous avons Crawling qui arrive et ouh, je me suis mis devant. Eh non. Tiens, tu repars. Allez. Ah, le départ. Voilà, Crawling ici c'est le décor. Ah, il y a un bloc en plein milieu, hein, mais c'est pas grave. Donc là, attends, j'aurais été plus rapide à pied. Vas-y, mais c'était vraiment pour prendre son... Crawling? Non, on t'entend pas, hein. Là, c'est le petit passage. On m'a pris mon minecart, trop pas, c'est mon minecart. Assez lent à côté de la lave. Merci. Temple du désert. On peut appuyer sur le levier? Non, c'est une fois. Bah, on entend. Je sais pas ce qu'il nous a appuyé dessus donc. Non. Non, c'est juste de... c'est un peu comme une petite exposition quoi pour se marrer. Pour... Aïe. Je me paye les cactus moi. Alors que. Alors c'est reparti. Allez vas-y bouge. Ouais. Ouh, c'est nous avons accès les Crawling qui sont. Ah. Ouais non mais Crawling je crois qu'il regarde un truc sur TS à mon avis son micro. J'appuie pour toi si tu veux Tristan. Ouais. Vas-y. Il y a un souci de micro là. Merci. Du coup, vas-y, Vibe. Le monde des ténèbres, Nether. Ah ouais. C'est, n'empêche, c'est calculé. Je fais prêt parce que là, juste avant la montée. C'est bizarre. Vas-y, je vais dans le Nether. Ah non, ça marche pas. Ouais, c'est un portail. On peut pas faire un portail. Bah, normalement, dans la 1.6, on ouais, pourra. Bientôt, on pourra normalement. Pour l'instant, je vais le faire en mode cheater. Aïe, merde. Il a sauté dans le feu. C'est pas vrai. Ah, c'est bien fait. Vachement bien fait. Le monde du Nether. Ouais. Oh, c'est super. Alors, il y a qu'en haut. Oh, dans l'eau. Ah, c'est vraiment sympa. Bon bah, Crawling, je sais pas si tu nous entends, mais tu me rejoindras. Tu me rejoindras. Vas-y, je suis là. Moi j'ai repris un truc, mais je crois qu'en fait j'arrive à l'arrivée. Ouais, moi aussi. Ah, je suis en train de tomber là. Tout est pour aller. J'ai pris plein de boss et tout. Bah, moi j'ai fait une petite descente là. Ah, ouais, c'est quoi le grand machin plein de feuilles? Eh hey, hé, hey, c'est la surprise. Ah, c'est ouais, grand. Ça a l'air bien. Ce sera une épreuve pour plus tard. Ah, attends, c'est quoi? Je suis tombé où moi là? Je pense que c'est une épreuve pour les finalistes. Ouais. Le temple du désert. Vu la taille. À mon avis, c'est un truc avec la TNT, un canon, il faudra atterrir dans la feuille comme les trucs de. Comment l'étoile d'araignée là. Quelqu'un est parti de TS? Ouais, je pense que ça doit être Crawling. User entered your channel. Est-ce qu'il naît qu'on aura fini le gouffre de Helm? Est-ce qu'on fera des batailles dedans? Peut-être. Franchement, j'ai aucune idée, mais je laisse 4 réfléchir à ça. Oh bah je me suis arrêté, y'a un problème avec les rails. Ah non c'est bon, j'ai lagué. Oula j'ai bugué. Ouais moi aussi vu que la carte elle a pris un peu d'ampleur. Skinless, peut-être que t'avances, merci.
T'as bugué aussi. Là, il s'est passé en vecteuse. Aïe! J'ai pris un coup de Mustone dans la figure. Ah merde, j'ai quitté mon cas. Les cônes de la crypte. Aïe. Ça me dit quelque chose, ce truc-là. Merde, ma PQ, désolé, je sais pas pourquoi j'ai eu un lag. J'ai cliqué sur mon cap et j'avais une épée. Cônes de la crypte, n'importe quoi. Oula, putain, j'ai failli tomber là. Yo, je te pousse. Heureux. Ah, Axel, voilà. T'es pas arrivé au cône de la crypte déjà? Ah non, non, moi je suis au temple du désert. Ah, là, moi j'y suis, moi. Je suis au compte de la crypte. Ok, ah, quelqu'un peut me TP par contre? Oh putain, y'a de la lave là. C'est la surprise. J'avais tué un cochon. C'est la surprise. Bah, je te TP. Le bouton. Cours, vibe, cours. Waouh, je suis passé. Il est là. Merci, Matt. Y'a Matt qui me pousse, c'est la locomotive. Eh, on prend des coups de jus quand on est sur les rails. Ah, merci. Bien fait, mais c'est moi, je pense que c'est moins fort que les. T'as une carte crawling? Ouais. Ouais, bah vas-y, un full dans le. Ouais, je me suis inspiré un peu de tout. Là, c'est l'arrivée. Et quand on arrive dans les comptes de la crypte, c'est vraiment le vrai bureau. Ici? Ouais, ouais, ici. J'ai essayé de la reproduire vraiment. Je découvre comme vous, quoi. Peace and love, quoi. Je crois que je vois pas celui qui est dans la compte de la crypte là. T'avais pas un peu. T'avais pas d'herbe, t'avais mis du blé à la place? Ah, et voilà, bah y'en a deux qui sont. Attends, qui c'est qui a. Attends, ça peut pas le dire, ça. Oh putain. Non, ne dites rien, c'est qui arrive à l'exposition numéro 6. Pour vraiment le découvrir. Hein. Mais je veux... Attends, je t'ai piqué ton carte. Je veux pas un mot hein, sur. D'accord. Bon. Merci. Bah, je démarre pas. Bah, je vous attends, moi. T'es où? Vous êtes où, Crawling et Axel? Pas, là, c'est moi, je vous attends. T'es au où, Skinny? Là, je suis en train d'avancer. Bon, allez, on regarde la petite expo. Là. Alors, Skinny arrive. Ok. Bah, attends, c'est nous, ouais. C'est... On se rejoint c'est tous à Aqualand. Il est où, passe le ton, là? Le truc il est à gauche là en haut à gauche. Vas-y, vas-y. Viens, on se met là, tranquille. Vas-y, on se pose. Ouais, il est en haut à gauche, Matt. C'est bon. Ouais, je suis parti. Ouais, celle-là, c'est ma plus grande carte. Comment t'as dû t'amuser, ouais, il va faire ça, quoi. Ouais, tu sais, ça va vite, hein. Et c'est vraiment. À chaque fois, j'ai des idées, il faut vraiment que je les mette. T'sais. Des fois, je me réveille en pleine nuit et je me dis, tu sais, j'ai ça qui arrive. Il est note. Je me dis, paf, faut que je le fasse, quoi. Pas de bouton. Assis. Ouais, merde, j'arrive pas à partir, moi. Comment ça se fait que j'ai récupéré un minecart, il est venu tout seul? Ah, c'est peut-être moi, c'est peut-être moi pas, quand j'ai des détruits. Ah par contre, il y a des petits soucis, Vibe, sur ta ligne. Où? Genre quand tu sors de la glace, là. De la glace? Tu vois, quand t'es sous la glace, c'est là que tu montes, ouais. Une sorte de montagne russe en extérieur. Ouais. Bah, les activateurs, là, enfin les rails... Activés. Il y a quelqu'un devant moi, là? Les rails activateurs là, machin, je sais pas quoi là. Ils sont pas activés. Ils sont dobés. Ah ouais, je sais pas pourquoi. C'est pour ça que je vais remplacer. Je sais pas pourquoi, ouais. Les rails activateurs, ils bug des redstone, une fois sur quatre. Oh, je l'aime bien cette pièce. Elle est sympa. C'est fou, hein. Ah, Crawling, t'es où? Des fois, tu passes et le rail il détecte pas. Donc, faut je mettre téléphone des redstone un peu partout. J'avais commencé. Moi, je suis dans la 6. Ah mais c'est pas regarde, ma carte t'as en fait, été Matt crois. dans l'épreuve dans l'expo Peace and Love. Ouais, on y est. J'y suis là, je suis avec en fait, je suis arrivé à un endroit où il y a une échelle. Ah c'est... ouais, non, je suis pas rentré. Bon bah du coup je continue à pied. Hein. Non mais relance ton carte sinon. Je peux mon... Où est-ce que tu veux jouer? Bah relance, sinon enlève tous les rails activateurs, hein, tu peux aimer de la... Moi j'ai commencé et je sais pas pourquoi ça bug des fois une fois sur trois. Je comprends pas. Comment on fait pour démarrer l'Expo 6? Parce que j'appuie sur le bouton et ça ne démarre pas. Carte. Faut que tu le mettes dans... Tu mets dans le trou, voilà. Ouais, non, tu mets dedans, t'appuies sur le bouton. Ça marche pas, c'est comme pour l'Expo 5, moi j'arrivais pas à partir, j'ai dû prendre un booster un peu plus loin. Ah ouais? Ouais, bon, c'est... au moins comme ça on sait les défauts du truc. Quoi. Faut que tu le pousses quand il appuie sur le bouton, Vibe, sinon ça marche. C'est comme ça que j'ai fait pour toi. Ah, ouais, je sais pas. Moi je suis en... Ah oui, je sais pourquoi. Je me suis poussé. C'est parce qu'il faut toujours un bloc entier et pas un demi-bloc. Parce que sinon le rail, le kart, il sait pas ça où l'arrête. Partir. Ah, je suis désolé. C'était... Moi, bon, c'est moi, pas je suis en train de monter à une échelle. Mais je trouvais... Ah oui, c'est... Ah, t'es au grand truc. Ouais, par contre, dès que vous arrivez à tout en haut des verres, tout le monde attend tout le monde. D'accord, bah, j'attends tout en haut. Je pense que je vais me faire mal. On attend Axel et Grow. Et Crow. Ah, j'entends. Arrête de pousser des cris stridents. Descente en bobsled.
Je suis où là, c'est quoi? Ça doit être la crypte. Ah, t'arrives à la crypte. Tu vas voir après la salle d'après. En parlant de grand bleu tuba et masque obligatoire. En parlant de bobsleigh, qui a vu Rasta? Bah, c'est pour ça que je l'ai créé. Oh, tout le monde tout le monde a vu. Pourquoi j'ai créé cette épreuve là après toi? Regarde, chaque épreuve vient d'un film. J'ai créé le grand bleu, j'ai créé le bobsleigh pour Rasta Rocket, le grand Snatch, c'était au parc d'Astérix. Quoi, et l'épreuve du grand plongeon, je sais pas. Moi, ça c'était un petit peu. Dans la crypte, il est où le bouton? Il est en haut à gauche. Ah ouais, on voit pas très bien. En haut à gauche. Non mais. Le grand plongeon, c'est une épreuve où tu plonges. Voilà. Non mais tu sais, il peut y avoir un grand plongeoir et une suite d'aventures, si mais là le bassin, c'est. Il est que de la glace. Voilà. Après, t'as la légende de bobsleigh qui est un parcours chronométré. Qui est, ça va, c'est vraiment sympa quand tu le fais à plusieurs, bah justement pour avoir le meilleur temps. C'est vraiment cool, je le conseille. Attends, après, je vais refaire tous les panneaux, parce que toutes les fautes d'orthographe, là, ça me plaît. Ouais, moi aussi, j'aime pas ça, le fait d'orthographe, parce qu'il naise. Et t'as l'aquaplouf, en fait, c'est aussi une sorte de course contre la montre avec le bateau qui va plus loin une fois que tu fais le grand saut. Et le grand bleu, c'est un parcours, t'as un grand saut au départ et t'as un parcours aquatique et c'est celui qui arrive à en sortir vivant parce qu'il faut vraiment prendre son apnée et aller au bon endroit au bon moment pour en sortir vivant. Attends, j'ai pas compris les épreuves, tu peux les répéter? Non, je déconne. Bah, moi j'ai envie de tester l'aquaplouf. Je vais tuer Axel. Tiens, Axel, ici il y a une autre faute d'orthographe. Ouais, non, mais là il y a le mot aller et tout ça. Bateau pour aller le plus loin. Ou sinon il y a obligatoire mais sans le. Il y a obligatoire mais sans le S. Moi je vais tester aquaplouf. Bobsleigh, je suis même pas sûr que ça soit bien écrit. Si, bobsleigh c'est bien écrit, j'ai été vérifié. Bobsleigh Bobsleigh, t'as écrit bobsleigh. C'est marqué où? Je sais pas. Oh, y a plus de panneau, qui l'a enlevé? Il y en a un qui l'a enlevé. C'est Crowling qui l'a viré, non? Ah là là. Enfin bref, vous voulez faire quelle épreuve? Moi je vous conseille le bobsleigh. Ouais. Il y a de la glace en plein dans l'aquaplouf. Pourquoi il y avait un D? Hein? C'est parti! Ah, il est parti là, non? Ouais, il est parti. Ouais, je suis parti. Là, je le vois. Mais tout à l'heure, en fait, je le voyais en haut. Et quand il est revenu en bas, j'ai vu une carte arriver tout seul en bas. Il y avait personne dedans. Mais dès qu'il a quitté le. Mais je t'ai dit quand il arrive, je t'ai dit quand il sort de l'eau. Ouais, non, mais là, c'est pas, je le vois. Ouais. Ouh. Un bon temps, hein, je pense. Oh ouais. Ah, on a le grand gagnant. Kidness comme d'hab dernier. Hein. Et donc nous avons premier gagnant en Mat PQ, celui de Crowling. Suivi après, de moi, le 31, c'est moi. Tristan. Et 59, c'est Sky. Est-ce qu'on est obligé de le dire? Non, je vais m'appeler Steve. Alors, le temps final. Ah, ça fait quand même une meilleure sensation quand on y va en minecart. Non, mais attends, il y a eu un bug là ou quoi? Pourquoi? Non. Il est où, Matt PQ? Mais il est arrivé, Matt PQ. Il est là. Et mais vous savez que je le vois pas, du coup, j'ai pas arrêté le chrono. Oh merde! En plus, il avait fait un temps de fou furieux. Non, je suis désolé, mais je le vois pas. Il est où? Attends, je il est devant toi. Derrière. Trop tard. Non, mais là, il est cool. Tu nous as tous vu passer, mais sauf lui, tu t'es dit, il y a un problème là. Ah là, il est là. Là je le vois. Ah oh, tu l'as pas vu Matt PQ, mais faut que tu le refasses. Ah. Faut que quelqu'un retourne en haut. Ouais, attendez. Total 8 cubes.